Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée aujourd'hui, j'espère que vous avez du soleil aussi. Loulou, est-ce que tu dis coucou? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Tu fais pas le ramadan? Oui, à la même occasion, j'aimerais dire bon ramadan à tous les musulmans, ramadan mubarak, jamel muslimin, inshallah, très comme saha, ou salama, bishmakat minna. Et justement, je me suis dit pourquoi pas ne pas filmer une vidéo, ben un vlog, comment je passe ma journée pendant le ramadan. C'est la fin de semaine, c'est pour ça que je profite de le filmer. Alors, je vous amène avec moi actuellement, je vais aller, là il est 1h30. Et j'aimerais aller chercher des plantes, de la menthe, du persil. On sait très bien là que des fois là c'est très utile si tu le fais vraiment chez toi. Alors c'est ce que je vais faire. Venez avec moi. Pour aller chercher un shampoing sec et je viens chercher cela. Comme vous pouvez voir, ça c'est les bâtisses, c'est vraiment les meilleurs. Moi je prends toujours celui-là. Et en plus ils sont en spécial. Cela de My Beignet, c'est mes préférés aussi. J'aimerais aussi vous en parler pour Bioderma, là, pour un nettoyant purifiant. Vraiment, il est... Moi, je l'adore, là. C'est le meilleur, là. Celui-là, ça, c'est pour la peau mixée grasse. Et il y a aussi pour la peau sensible. Je pense qu'il y a un troisième qui est celui-là. Je suis chanceuse aujourd'hui. Il est en spécial. Fait que j'en profite pour le prendre. Alors, retour à la maison, comme vous pouvez voir, je suis allée planter mes petites, ce que j'ai acheté pour le persil et tout. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le persil avec du basilic. Et j'ai mis ici, ça, c'est de la menthe. Je sais que vous allez me dire peut-être pourquoi elle a juste cette tige-là, mais j'ai mis d'autres tiges de menthe. Vu que la menthe vraiment là il va en avoir beaucoup, alors j'ai choisi un pot plus grand. Et c'est le romarin que j'ai mis ici. J'ai pas un pot plus grand, fait que je vais le laisser ici pour l'instant. Voilà, alors maintenant ça va être c'est l'heure de préparer à manger. Je voulais vous montrer, je vais préparer des recettes turques. Alors, on va commencer par préparer la soupe. C'est une soupe typiquement turque, ce que j'ai lu. Alors, on va avoir besoin des lentilles ici, qu'on appelle des lentilles rouges ou corail.
Et on va avoir besoin aussi du un quart de verre de riz. Je vais vous dire le verre avec quoi j'ai mesuré tout ça. C'est celui-là. Désolé, il est sale parce que j'avais des oignons dedans, mais c'est ce verre-là. Donc j'ai pris un verre de lentilles, un quart de ce verre-là pour le riz, et par la suite j'ai pris un demi de ce verre-là du borol ou bolrol. Je vais peut-être vous montrer, c'est ça. Ça c'est le borol. Voilà. Alors on va laver tout ça ensemble, on va les laver comme il faut. Par la suite, en attendant, on va couper un demi-oignon que j'ai fait ici avec une gousse d'ail et on va les passer dans un petit peu de beurre. Par la suite, on va rajouter ces ingrédients-là quand on va laver tout de suite. Alors, c'est ça, là, j'ai mis un petit peu de beurre, juste une petite noisette de beurre ici. Et je vais vraiment ajouter le demi-oignon avec la gousse d'ail. On va les laisser un petit peu. Voilà, et là je vais ajouter le riz avec les lentilles et le borel, comme ça, que j'ai lavé. En attendant, là j'ai mis un peu d'eau bouillante parce qu'on va avoir besoin par la suite d'un demi-litre d'eau vraiment bouillante. Voilà. On va mélanger le tout comme ça. On va les laisser un petit peu. Là, comme je disais, c'est ça, j'ai de l'eau chaude ici. J'ai mis un demi-litre d'eau comme ça. On va ajouter par la suite ici, comme je vous ai dit, 1,5 litre chaud. Et on va ajouter aussi du sel. Un petit peu du sel au choix. Mélanger tout ça. Et on va les laisser pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Alors voilà, là j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile dans une autre casserole à part. Voilà. Et je vais ajouter une cuillère à soupe de la farine. Ça. Ensuite, je vais ajouter en même temps une noisette de beurre. Voilà. Je vais commencer à mélanger le tout. Bon, on va commencer à mélanger le tout. Attendre un petit peu jusqu'à ce que le beurre fond un peu. Voilà, tout de suite, je vais ajouter aussi 200 ml d'eau. Comme ça. On va vraiment mélanger comme il faut parce qu'on ne veut pas avoir des comme des grumeaux là. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate, comme ça. Une cuillère de soupe. De cette façon là.
on l'ajoute et on va mélanger le tout. L'important c'est qu'à la fin ce mélange là soit vraiment comme épais un peu là. Pas liquide. Vous voyez comme ça, déjà on le voit qu'il est comme il est pas trop liquide. Voilà, on va ajouter un petit peu de poivre. Une cuillère à café de piment. Et une cuillère à café de menthe, de la menthe comme ça. Voilà. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter du piment broyé, piment fort. Je vais ajouter juste un peu. Comme ça. On mélange le tout. Et c'est ça, là, je vais commencer, j'ajoute le mélange. Comme ça. Si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez ajouter de l'eau par exemple. Par la suite, vous pouvez ajouter du sel si c'est pas trop salé, du poivre, les épices de votre choix par exemple. Voilà, moi je vais laisser juste 5 minutes encore et par la suite je vais l'arrêter. Alors là, pour le pain turc, ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté du 228 g de la farine blanche avec 85 g de farine en blé entier, une grosse cuillère de levure ici, deux grosses cuillères de sucre et une petite cuillère à soupe, une petite cuillère à café, excusez-moi, de sel. Et on va ajouter de l'eau, un quart de tasse d'eau, juste comme ça. On va commencer à mélanger le tout. Et après encore, on va ajouter un autre quart de cope d'eau, comme ça. Voilà. Pour ramasser le mélange. Voilà, et là je vais la couvrir avec du papier plastique pendant 30 minutes. Alors voilà pour notre pain. Là on va prendre ici un peu de farine et on va prendre le pain. Voilà, et on va commencer à l'étaler un peu.
Fait que moi, j'ai mis du papier ici avec du de la farine encore. Alors voilà, j'ai ajouté les graines de sésame comme ça. Après ça, je vais ajouter du Niger, juste pour la déco, comme ça. Et je vais le rentrer dans le four à 400 degrés. Voilà, mon four il est prêt. On va le mettre dans le four comme ça. Alors voilà, ça c'est mon mélange de la pizzature. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai ici. J'ai 600 g de farine, j'ai un œuf, j'ai 200 g de yaourt nature, j'ai une cuillère à soupe de levure, j'ai aussi une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre. J'espère que je n'ai pas oublié grand chose. Et par la suite, je vais ajouter de l'eau, 200 ml d'eau ici, pour faire le mélange. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vais tout vous laisser en bas de la vidéo par la suite, ou même peut-être je vais les laisser juste ici à côté de l'image pour que vous puissiez les noter à ce moment-là si vous voulez essayer cette recette. Alors, je vais tout mélanger. Je vais ajouter de l'eau tranquillement, comme ça. De préférence celle de l'eau tiède, et je vais commencer à mélanger le tout. Voilà, c'est normal que la pâte va être collante. Alors ce qu'on va faire, on va prendre un petit saladier comme ça, et je vais mettre un peu d'eau. Comme ça, et je vais prendre la pâte et je vais la mettre ici. Juste mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma main et je vais le mettre un petit peu sur la pâte comme ça. Voilà, on va la couvrir aussi du papier plastique pendant 30 minutes ou jusqu'à ce qu'elle double de forme à ce moment-là. Alors voilà notre pâte ici, elle devient comme ça, donc elle double de volume. On va essayer de former 8 boules à la suite, juste là, sortir comme ça, et je vais essayer de prendre une grosseur comme ça. Voilà. Juste un petit peu d'eau.
que je puisse avoir mes boules égales au moins. Voilà, donc c'est ça. 8 boules ici. Je vais enlever ça. Et on va essayer de prendre un peu de farine. Comme ça. Un endroit où on va travailler. Voilà. Alors voilà, ça c'est la forme que je veux de ma pizza. Ce que je vais faire ici, j'ai mélangé des olives noires, du persil et du fromage, le fromage de votre choix. Moi ici, j'ai ajouté de la mozzarella, du gouda, de la cheddar et des petites graines de nigel ici. Je vais les placer ici sur sur la pâte, comme ça, pour la remplir. Et je vais commencer à prendre les coins ici et la cacher comme ça. Si on voit que c'est que ça manque, on peut ajouter un peu de mélange. Dans les coins ici, ce que je vais faire, je vais juste former et faire ça comme ça. Je vais fermer. Alors ici, je manque de mélange. J'ajoute un peu. Même chose pour l'autre coin, que c'est ce que je vais faire. Je peux même vraiment enlever un petit peu parce que sinon ça va être trop. Voilà. Ici aussi. Ce que vous pouvez faire avant de le fermer, ajouter un petit peu juste de fromage. Comme ça, la pâte. Voilà. J'ajoute un peu de fromage ici et je ferme. Et voilà. C'est ça la forme de notre petite pizza turque. Alors je vais la mettre dans le four à 450 degrés.